Depuis 15 ans, la Fondation Marthe, mouvement pour les animaux et le respect de la Terre, aidée de ses bénévoles, s'active pour nettoyer la nature. Ici, la réserve naturelle du Vieux-Rhône à Neuville. Oh purée, regarde comme il y a beaucoup encore dedans. Ah, ouais. C'est fou. Pour moi, c'était important de faire du bénévolat pour l'environnement, et notamment avec la Fondation Marthe. Personnellement, j'adore la nature et j'aime la voir propre. Alors, c'est clair que quand on arrive le matin sur une plage et qu'on voit l'ampleur des dégâts, si je peux dire comme ça, c'est vraiment démoralisant. Souvent, on se dit qu'on ne va jamais arriver à la fin de la journée à avoir tout nettoyé. Et puis, heureusement, avec la motivation de chacun, on s'entraide les uns les autres et au final, on y arrive toujours. C'est quoi ça? Ça, on dirait un truc de sucette. Quand on regarde dans le détail, c'est terrible, terrible, terrible. Et on se dit que tous les canards, les poissons qui peuvent manger des petits morceaux de plastique. Et il y a une chose qui me sidère, c'est le nombre de bâtons de sucette qu'on trouve. Des bâtons de sucette? Non, pas vraiment. Chaque année, il y a des milliers de bâtons de Q-tips qui proviennent certainement des personnes qui les jettent dans les WC, ce qui n'est pas du tout à faire. Il y a des poubelles pour ça. Autrement, des filtres. Et puis, bon, l'état est chaque année la même chose. Heureusement que l'on vient une, deux fois par an, histoire que ça ne s'entasse pas. Puis peut-être rendre les gens attentifs que la nature est belle, il faut la protéger. Puis penser à la nature de demain. Ah, on a trouvé un aussi, le roux. Des bâtons de ski. Petit à petit, les sacs se remplissent et s'empilent sur le sable. La nature, libérée de milliers de déchets, recommence enfin à respirer et retrouve ses vraies couleurs. Bon, alors, ce qui me subjugue, c'est de voir qu'il y a des déchets partout, 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 et qui sont insinués dans tous les troncs d'arbres. Il y a énormément de pets, énormément. Et de Sagex, alors là, c'est grave parce qu'il se décompose sous nos doigts. C'est vraiment le pire, c'est terrible. Et sinon, c'est vraiment des pets, des jouets d'enfants parfois. Et je trouve dommage, c'est à croire que les gens balancent leurs pets sans vergogne. C'est triste et lamentable. Ça fait une dizaine d'années que je viens faire le nettoyage du four de la Tour. La première fois, je me suis dit, ah bah, on a bien bossé, on a ramassé je ne sais plus combien de tonnes et de mètres cubes de déchets en tout genre. Parfois des roues de voiture, des tubes de guébérite, des énormes trucs. Je me suis dit, ouais, on est tranquille, là, l'année prochaine, ça va être facile. Et bah, l'année d'après, il y avait presque la même quantité. Et sur les 10 ans, alors les grosses choses ont commencé à en avoir moins. Les principaux déchets qu'on ramasse, c'est des bouts de Sagex qui viennent de l'isolation périphérique. Si les chantiers étaient mieux organisés, on en trouverait probablement moins. Puis bon, ce qui augmente surtout, c'est les bouchons, les bouteilles en pète, les bâtonnets à oreilles, les micro-déchets qui viennent manifestement de barquettes, de fromage, de viande séchée, de boîtes à œufs, enfin de tout ce qu'on veut qui sert à emballer les aliments qu'on retrouve au bord du lac, quoi. Et il y a beaucoup de choses qui proviennent de ce que les gens jettent dans leurs toilettes. Les stations d'épuration ne sont pas faites pour absorber des déchets, elles sont faites pour absorber les excréments et le papier hygiénique qui va avec, et c'est tout. De ce fait, parfois ça déborde, parfois ça passe à travers les dégrilleurs. Et on le retrouve aussi dans le lac. Et il ne faut pas oublier que dans le bassin lémanique, il y a plus de la moitié de la population qui, presque tous les jours, boit de l'eau du lac. Alors au Vieux-Rhône, au bout du lac Léman, on est évidemment dans une réserve naturelle. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vient, c'est interdit à la population. Mais on trouve
d'importantes quantités de déchets qui viennent aussi en partie de ce que les gens jettent, même sur les pistes de ski, ça coule avec la fonte de la neige, ça part dans les ruisseaux. Et à un moment donné, on retrouve ça aussi dans le Léman. Du fait des courants et des vents dominants, ça vient s'échouer au bout du lac. C'est notre comportement à tous qui est responsable de ce qu'on ramasse ici. Et chaque année, on ramasse les mêmes déchets, dont une grande partie pourrait être évitée si on se comportait mieux. Bon, évidemment, dans tout ça, l'éducation joue un rôle, mais le type de produit qu'on manipule tous les jours joue un rôle, je dirais, encore plus grand. Quand j'étais gamin, dans les années 70-80, on n'avait pas autant d'emballage. Les sacs plastiques n'étaient pas gratuits, on devait les payer, donc on les ménageait, on les utilisait jusqu'au bout. Et surtout, on était beaucoup plus strict sur le fait qu'on ne jette rien. Pas seulement parce que ça pollue, mais parce que ça coûte aussi. Et de nouveau, nos comportements, si on y prend garde, ben on va faire les achats avec un sac usagé, on réutilise les sacs pour aller acheter des légumes en vrac jusqu'à ce qu'ils soient inutilisables. C'est une façon de diminuer la quantité de déchets qu'on manipule tous les jours. Évidemment, l'obsolescence programmée fait des ravages au niveau environnemental parce qu'on ne répare plus, on jette. Et c'est évidemment aussi une tendance lourde. Ça ne signifie pas que ce qu'on jette se retrouve toujours dans le lac, mais ça génère aussi toute une attitude. Quand on n'est pas content, ben, on s'en fout, on n'essaie pas de réparer, de faire mieux. Et on ne réfléchit pas. Toutes ces choses vont un peu ensemble entre notre société du prêt-à-jeter et puis notre comportement qui est aussi prêt à être irresponsable finalement. Dans la nature, en allant sur des aires de pique-nique par exemple, on voit que les gens viennent pique-niquer, ils ont grand plaisir à être dans la nature et malgré qu'il y a une poubelle à 5 ou 10 mètres d'eux, ils ne vont pas faire l'effort d'aller jeter leurs déchets, ils vont les laisser sur place en se disant que de toute façon il y a quelqu'un qui passera pour les ramasser. Et ça c'est vraiment des très très mauvaises habitudes qui sont déplorables pour l'environnement. Et puis c'est un manque de respect pour les gens qui viennent ramasser derrière. Et il ne faut pas oublier non plus que les déchets qui sont laissés comme ça dans la nature, dès qu'il y a un coup de vent, ils se retrouvent dans les arbres, dans les cours d'eau, et puis forcément, ben nous on les retrouve sur les plages. Ça cause des dégâts, et pas que pour l'environnement, n'oublions pas la faune non plus, qui est aussi une des premières à souffrir de ça. Je pense que les écoles devraient participer à des nettoyages, devraient mettre la main à la pâte pour faire prendre conscience aux jeunes. Ça doit être quelque chose qui est mis en place depuis notre plus jeune âge et qui devrait nous suivre tout au long de notre vie, d'avoir ce respect. C'est dégueulasse. Bien sûr, il faudrait renforcer l'éducation des enfants, mais probablement aussi des adultes, améliorer l'instruction à tous les niveaux, dans les écoles, mais aussi dans les entreprises, sur les cycles de vie des produits fabriqués, des produits utilisés et de leur élimination. Actuellement, les usines d'incinération, plus elles peuvent brûler de déchets, papier, plastique, bois et déchets en tout genre, plus elles sont contentes parce que ça leur apporte du pognon. Mais le vrai objectif de ces usines d'incinération et des politiques qui vont autour doit être de diminuer les déchets et d'augmenter leur cyclage.
L'usine recherche surtout du pouvoir calorifique, et le pouvoir calorifique provient de la matière qu'on lui apporte. Alors c'est vrai qu'idéalement, si on pouvait nous livrer du pétrole, le pétrole brûle très très bien, mais je veux dire, une usine d'incinération n'est pas faite pour brûler du pétrole. Mais il est vrai que toutes les matières dérivées du pétrole sont des matières qui sont très très calorifiques. Pour une usine d'incinération, de brûler du plastique ou des dérivés de plastique est quelque chose de très très positif au niveau de la production d'énergie, mais nécessite bien entendu des filtres particuliers puisque ces matières contiennent pour la plupart du chlore et différents polluants qu'il faut absolument capter avant de rejeter les fumées dans la nature. Des communes se sont regroupées entre elles pour gérer leurs déchets. Ces périmètres ont pour mission de trier, d'organiser le tri à la source, donc le tri dans les communes. Il y a des usines qui sont là pour traiter le déchet ultime, celui qu'on ne peut pas valoriser ou qu'on ne peut pas recycler ou qu'on ne peut pas traiter d'une autre manière que par l'incinération. Au niveau suisse, il existe donc 28 usines d'incinération. Il n'y a pas ou très très peu d'usines qui font du tri dans leurs installations. C'est vraiment deux choses totalement différentes. D'un côté, on incite le citoyen à trier consciencieusement ses déchets, et de l'autre, on s'aperçoit que les usines d'incinération accueillent à bras ouverts les entreprises qui leur livrent de la matière à haut pouvoir calorifique, c'est-à-dire du plastique, du PET, du Sagex, du papier et du bois. Or, ces matières devraient pourtant être recyclées. Le recyclage est donc discrètement mais sûrement mis de côté au profit de la production de chaleur nettement plus lucrative. Mais si nous désirons nous comporter en éco-citoyens respectueux de notre planète, de quoi faut-il tenir compte lors du tri de nos déchets ? De laisser du verre dans un sac poubelle, déjà un, ça ne sert à rien, puisque le verre, une fois qu'il passe à travers un incinérateur, il ne fond pas, parce que les températures atteintes ne permettent pas d'avoir une diminution du volume. Et puis deuxièmement, ce qui est surtout très néfaste, c'est que le verre ne dégage aucune énergie, donc ça ne sert à rien de brûler du verre si on ne peut pas en retirer de l'énergie. Donc effectivement, le verre, on doit absolument trier et apporter à la déchetterie. Tous les métaux, on en arrive un petit peu à la même solution, c'est-à-dire que c'est des matières qui, à la température de 900 à 1000 degrés à laquelle on traite nos déchets, ne permettent pas de fondre. Donc de nouveau, il n'y a pas de dégagement d'énergie, donc c'est juste ridicule de laisser des matières métalliques, quelles qu'elles soient, dans un sac poubelle. Et puis après, c'est tous les déchets organiques, les déchets verts, puisque tous les déchets organiques, que ce soit du gazon, des restes de nourriture ou autre, c'est essentiellement de l'eau. Et puis d'amener de l'eau dans du feu, ça ne sert de nouveau à pas grand-chose, si ce n'est à traiter de la quantité de matière, ce qui est absolument ridicule. Puis après, bien entendu, il y a tous les déchets spéciaux, que ce soit des piles, les peintures, les solvants et autres. Donc, d'une certaine manière, c'est déjà ce que le citoyen fait pour la plupart, mais pour lequel je dirais que la taxe au sac a grandement incité les gens à aller encore plus dans cette direction. Et le gros effort a surtout été fait dans les déchets verts, dans les déchets organiques. Mais on le voit aujourd'hui que par rapport aux résultats que nous avons obtenus, si on veut que le citoyen puisse encore continuer de trier un peu plus, il faut absolument que les communes mettent en place des ramassages porte à porte. Et après, c'est bien entendu aux communes de décider est-ce qu'elles souhaitent investir pour que les citoyens aient plus de facilité permettant le tri, ou au contraire, est-ce que cette mise en place d'infrastructures particulières coûte tellement cher qu'au bout d'un moment, ça ne vaut plus la peine de le faire. Mais que deviennent les déchets récoltés dans les centres de tri ? Ici, chez Tavenaluk et Cublan, nous traitons tous les déchets, sauf trois sortes. C'est les déchets ménagers, donc le sac de poubelle, le verre et tout ce qui est déchets verts. À part ça, donc, tout ce qui est ferraille, métaux, papier, carton, PET et plastique et bois, c'est traité chez nous ici sur place à Cublan. Nous avons une capacité de traitement de déchets de 600 000 tonnes par année. Donc tout ce qu'on reçoit, nous, ici, c'est trié. Donc à la main, on vérifie pour que la marchandise puisse être recyclée comme il faut et amenée dans les bonnes filières. Les aciéries, il n'en reste plus que deux en Suisse. Le reste, il va en Italie et en Allemagne. Les métaux, malheureusement, il ne reste plus aucune fonderie en Suisse, ni de l'aluminium, ni de cuivre ou de laiton. Donc tout ça, ça part exclusivement à l'étranger.
Le papier carton, heureusement, là, on a encore ce qu'il faut en Suisse, des papeteries, donc on peut les livrer là-bas aussi. Nous recevons ici, sur Écublanc, bien sûr, des déchets de toute nature, commençant peut-être par les déchets électriques et électroniques, que nous démontons ici sur place. Vous avez là-dedans des piles, vous avez des batteries, vous avez des luminaires. On démonte ces articles des appareils qu'on reçoit et on livre plus loin dans les usines spécialisées, les luminaires chez Cribec avec les pans et les piles, les batteries, ben ça part en Suisse alémanique ou alors en France dans des usines spécialisées pour traitement de batteries. Ici, nous traitons les sources lumineuses, notamment les tubes fluorescents. Alors le but de notre traitement, c'est d'abord nous allons sécher ce tube et puis ensuite nous allons le broyer pour séparer le verre. Ça correspond environ à 90% du poids. Ce verre, il va repartir totalement en fonderie, donc redevenir du verre. Nous allons séparer les métaux ferreux et non ferreux. En l'occurrence, c'est de l'aluminium que nous avons là. Cet aluminium également va repartir en fonderie comme matière première. Et à l'intérieur du tube, nous avons une poudre fluorescente qui contient du mercure. Et cette poudre, elle va également être valorisée. Donc nous travaillons avec un partenaire qui va extraire les terres rares de ces poudres pour les réintroduire dans le circuit électronique, donc dans la fabrication de composants électroniques. Nous avons un partenariat très fort avec Nespresso. Nous assurons le recyclage et le ramassage de toutes les capsules Nespresso usagées en Suisse. Nous avons environ 2800 conteneurs dans toute la Suisse où nous assurons le remplissage, le transport jusqu'à nos deux usines de traitement à Moudon et à Genève. Le marc de café est séparé de l'aluminium. Ce dernier, qui est une matière recyclable à l'infini, retourne dans une fonderie. Et le marc, dont le pouvoir calorifique est supérieur au bois, est quant à lui brûlé. Mais il pourrait aussi être utilisé pour produire du biogaz. Ce procédé de revalorisation pourrait être efficace, pour autant que le consommateur se donne la peine de mettre les capsules de café dans des bacs de récupération prévus à cet effet, et non dans la poubelle. Avec les mégots de cigarettes, le PET est incontestablement le déchet que l'on retrouve le plus dans la nature. Ici sur notre site, on traite 6000 tonnes par année. Alors je vous laisse faire le calcul, c'est 30 grammes la bouteille, alors ça fait des millions de bouteilles. C'est énorme, c'est pour ça aussi qu'on a l'intérêt de compacter les bouteilles. Alors ici sur le site, on enlève les déchets, qu'on a environ à 8% de déchets. Avec la marchandise après, on peut remettre jusqu'à 60% de l'ancienne bouteille dans les nouvelles bouteilles. C'est un circuit fermé, on est presque unique au monde qu'on fait ça. Alors il y a beaucoup de gens, sur les conteneurs sont marqués les bouteilles d'eau minérale. Alors ils nous mettent dedans les bouteilles de shampoing en PET, les bouteilles d'huile, vinaigre. Et normalement on ne devrait pas mettre ça dans les conteneurs de PET. Bon, il y a beaucoup de gens, ils choisissent ce qui est facile. Au lieu de faire 2 mètres pour mettre dans un autre conteneur, ils mettent tout au même endroit et pensent que pour eux, la mission est terminée. Nous, on sort surtout ces bouteilles pour ne pas avoir de risque d'empoisonnement ou quelque chose comme ça, parce que la loi suisse, c'est une des plus sévères au monde entier.
Il faut dire, pour le PET, on recolle déjà passé le 80% du PET en Suisse. Il y a bien toujours des gens qui ne trouvent pas nécessaire qu'on protège la nature. Et on a, je ne sais pas combien de milliers de conteneurs on pose dans toute la Suisse. Et il faudrait presque mettre dans chaque région un policier pour surveiller ça. C'est une chose qui est impossible. Je trouve très dommage en fait aujourd'hui que malgré le fait qu'on vive dans un pays où l'eau elle est vraiment d'excellente qualité, autant dans les fontaines, autant dans notre robinet, je trouve vraiment dommage qu'on continue en fait d'aller acheter dans les magasins de l'eau. Parce que d'une part il y a les trajets, on doit amener les bouteilles à la maison, ça prend de la place. Puis après il faut encore ramener les bouteilles à la déchetterie, au PET. Et ça c'est aussi encore plus de travail pour toutes ces entreprises, etc. qui recyclent. Alors qu'ils n'auraient pas besoin de faire ça si on se contentait tout simplement de boire l'eau du robinet. À la commune d'Aigle, nous avions constaté un certain nombre de manquements au niveau des déchets, de la gestion des déchets, et par rapport à la population aussi, un certain laxisme qui était grandissant et qui nous obligeait finalement à prendre des mesures parce que les éco-points que nous avions voulu installer au centre de la ville se transformaient un peu en dépotoir et chacun y déversait un peu ce qu'il voulait. Et nous avons décidé d'engager une personne à la fois pour contrôler les gens, mais aussi pour faire de la prévention, c'est-à-dire les renseigner, les conseiller sur la gestion de leurs déchets. Alors, mon rôle en tant que monsieur propre pour la ville d'Aigle, ça consiste tout simplement à faire passer l'information maximale aux gens, à vérifier avec eux qu'ils ne se trompent pas et apporter les explications nécessaires s'ils en ont besoin, et entre autres aussi, bien évidemment, de dénoncer les personnes qui ont un comportement totalement à côté de ce qu'on peut attendre sur un éco-point, c'est-à-dire le tri réel des déchets. Avec elles, je contrôle leurs sacs pour voir effectivement si tout ce qu'elles amènent est réellement trié dans un premier temps ou pas. Je donne les explications nécessaires, je fais bien voir ce qui est marqué sur les conteneurs de façon à ce que les gens captent bien l'image, si parfois ils ont des difficultés du point de vue linguistique. Et je leur rappelle bien évidemment qu'ils doivent se plier au règlement de police qui gère les éco-points, sans quoi, oui, ils sont susceptibles d'être dénoncés avec à la clé une amende. Voilà, typiquement un sac avec tout un tas de chenilles que les gens ont déposé pendant la nuit. Il n'y a absolument rien qui est trié. Tout est pur déchet. Et ultérieurement, on va l'ouvrir pour regarder si on trouve l'identité de la personne. Alors finalement, quel est l'impact d'un monsieur propre dans une commune ? Le constat que l'on fait est finalement très positif. Donc on a une meilleure gestion des déchets. Ce n'est pas encore parfait, mais on voit que ça s'est considérablement amélioré. Et dans le fond, c'est un effet boule de neige, mais positif. C'est que plus les zones sont organisées, sont propres et sont bien gérées, plus les gens ont des informations et voient aussi qu'autour d'eux, leurs voisins et d'autres citoyens se comportent correctement. Dans le fond, plus eux-mêmes vont faire attention. Alors les gens, plus ou moins actuellement, avec un peu de recul, puisque ça fait maintenant une année et demie que je suis sur le parcours, sont d'abord très contents de voir la différence qu'il y a à comparer à une certaine époque où il y avait jusqu'à 1 mètre en fait, de déchets qui étaient déposés devant les conteneurs. Donc aucun tri, c'était vraiment une déchetterie tout simplement. Pour l'image de marque même de la ville, c'était juste insupportable, et pour les habitants aussi. Donc maintenant, au contraire, on n'a plus ces gros problèmes-là. Tous les matins, il y a encore évidemment des sacs qui traînent, des petites choses, mais c'est quand même moindre comparé à avant. Le problème maintenant, c'est plus l'intérieur des conteneurs, parce que là, il y a des gens, oui, qui se permettent de mettre n'importe quoi, tout simplement parce qu'elles ne veulent pas faire le tri. Et là, on chasse. Voilà. C'est typiquement les déchets de la maison balancés dans le conteneur à papier. Alors, des exemples d'incivilité, il y en a de toutes formes. Le pire actuellement, c'est quand même les restes alimentaires que les gens mettent dans des cornets et jettent à l'intérieur des conteneurs, soit ceux pour l'aluminium, soit même pour le papier. On trouve des salades, on trouve du jambon. Voilà, typiquement, en fait, des choses qui n'ont rien à voir avec la récupération qu'on attend, c'est-à-dire des capsules qui doivent être en métal, puisque le métal, on peut en faire quelque chose, mais le plastique, malheureusement, sert à rien. Et encore moins les sprays, etc., qui ont, je le rappelle, à l'intérieur,
du gaz encore potentiellement dangereux. Comme ça n'a pas été trié, ce qui aurait été souhaitable du point de vue de l'écologie, bien tout cela va malheureusement finir à l'usine d'incinération, parce qu'on ne va pas nous retrier cela, on ne peut pas, on n'a ni le temps, ni le personnel adéquat pour le faire. Voilà, c'est vraiment de la responsabilité individuelle que de le faire juste. Or, ce n'est pas ce qui se passe. Malheureusement, il a fallu en arriver à mettre des amendes aux gens, parce que oui, quand ça touche le porte-monnaie, ça fait réagir. Sur le plan financier, le bilan qu'on peut aujourd'hui sortir, c'est bien entendu un coût, le coût d'engagement d'une personne. Mais en parallèle, il y a des recettes financières qui arrivent, puisqu'il y a des amendes, un peu moins maintenant, mais il y en a quand même régulièrement. Et puis alors surtout, un très très grand avantage, c'est la propreté qui se dégage autour des éco-points. Et puis finalement, sans doute pour la population, un rapport différent avec les déchets, leurs propres déchets. Ce qu'on souhaite surtout, c'est une adhésion de tout un chacun à prendre les responsabilités qui lui incombent en tant qu'adulte face à l'environnement, pour les gosses, pour demain et pour la nature. millions de tonnes, c'est la quantité de plastique produite chaque année sur la planète. Chaque seconde, près de 16 000 sacs en plastique sont distribués, soit 500 milliards par année. Seuls 5% du plastique utilisé dans le monde est recyclé. En Suisse, il n'existe pas de filière stable et durable pour revaloriser cette matière pourtant abondamment utilisée. Il faudrait des structures très complexes pour pouvoir traiter toutes les différentes sortes de plastique que nous utilisons quotidiennement. Par exemple, des récipients ayant contenu des détergents de nettoyage ne pourraient pas être recyclés en emballages alimentaires. Dès lors, la presque totalité du plastique utilisé en Suisse est brûlé en usine d'incinération, ce qui en termes d'écologie est très critiquable puisque le plastique est issu du pétrole, une énergie fossile non renouvelable qui génère d'importantes pollutions. Et même si les usines d'incinération suisses sont dotées de filtres à particules à l'émission des cheminées, il n'en est pas de même dans les autres pays. C'est pour ces raisons qu'il est important lors de nos achats de limiter les emballages et les objets plastiques jetables ou à courte durée de vie. La tendance actuelle de nos usines d'incinération est de brûler des déchets en grande quantité pour la production de chaleur, ce qui leur rapporte d'importants bénéfices. Bien qu'elles soient performantes au niveau environnemental, elles génèrent tout de même une grande quantité de résidus contaminés qu'il faut traiter ou stocker. Dans son rapport annuel de 2012, la SATOM, usine d'incinération de Monthey, indique avoir brûlé en une année 90 000 tonnes de déchets ménagers et industriels qui eux-mêmes ont généré encore 30 000 tonnes de résidus que l'on appelle des scories. Les scories contiennent de très grandes quantités de métaux lourds et les fumées de lavage contiennent du zinc, du chlore et de nombreux polluants. Dès lors, on se rend compte que tout ne disparaît pas comme par enchantement et que le fait de brûler des déchets n'est pas aussi anodin qu'on veut bien nous le faire croire. Alors que fait-on de ces matières ? Aujourd'hui, les usines d'incinération travaillent pour essayer de valoriser au mieux toutes les matières qu'on retrouve encore dans ces scories. Essentiellement, on en retire aujourd'hui le fer et les métaux non ferreux, mais je veux dire, l'objectif est à terme de retirer encore tous les matériaux inertes que l'on pourrait retirer, genre porcelaine ou de la terre cuite. Il y a énormément de ces pots de fleurs en terre cuite ou autre, ce genre de matières, et celles-ci ne méritent pas d'être mises en décharge.
La carrière de Saint-Trifon, après avoir été grignotée pour sa pierre, sert depuis les années 2004 de lieu de stockage pour les scories en provenance des cantons de Vaud et du Valais. Et 45 000 tonnes de scories y sont amenées chaque année. Nous nous trouvons ici sur le site ISDS Oulon, ISDS Installation de stockage de déchets stabilisés. Ce site est en exploitation depuis 1998 et il est destiné à offrir une solution pour le stockage des déchets issus du lavage des fumées des usines d'incinération. Dans ces halles, nous recevons environ 12 000 tonnes par année de cendres de lavage issues des usines d'incinération de Suisse romande. Alors ces cendres vont être stabilisées, c'est-à-dire nous allons les mélanger avec de l'eau et du ciment. Ceci va donner une masse que nous allons déposer. Cette masse va durcir et aussi empêcher le relargage des métaux. Donc les métaux vont rester emprisonnés dans la matière. Pour stabiliser nos 12 000 tonnes de cendres reçues par année, nous allons utiliser environ 3 000 tonnes de ciment et également de l'eau. Le mélange ainsi obtenu générera environ 18 000 tonnes par année de matière déposée. Le choix de Oulon pour l'implantation de ce dépôt est d'une part géologique. Nous sommes ici sur un terrain marneux, donc c'est une matière qui est naturellement étanche, donc qui est idéale pour l'implantation d'un tel dépôt. Également géographique, nous sommes au cœur de la Suisse romande, à proximité de la sortie d'autoroute et non loin de la gare d'Éclépont, sachant que le 50% du tonnage reçu arrive par le train jusqu'à Éclépont. Donc le dépôt est constitué de plusieurs couches d'étanchéité et de drainage. Ceci va permettre de collecter toutes les eaux en contact avec le déchet. Ces eaux vont être acheminées chez Cridec avec les ponts pour être contrôlées et analysées. Nous avons également des piézomètres qui permettent d'assurer la sécurité du site. Il est creusé en plusieurs étapes. Nous faisons d'abord une étape, une creuse, environ 20 mètres de profondeur, environ 150 000 mètres cubes par étape. Ensuite, nous allons remplir cette étape, étanchéifier et revégétaliser avec la terre d'origine. Et ensuite, nous exploitons une deuxième et une troisième étape, ainsi de suite. Si cette décharge a été bien pensée et répond aux normes environnementales, ce n'est de loin pas le cas de toutes. Et tôt ou tard, elles atteindront leurs limites. Où mettrons-nous alors nos déchets? Si l'on tient compte que la Suisse dénombre déjà plus de 50 000 sites contaminés, et ce chiffre est bien loin de la réalité, notre pays va-t-il devenir un véritable fromage creusé de partout? En continuant à produire des déchets dans de telles quantités, d'ici quelques années, le sous-sol de notre planète sera entièrement constitué de décharges, officielles ou sauvages. Alors ici, on se trouve sur la DCMI La Croix. DCMI, ça veut dire décharge contrôlée de matériaux inertes. Donc la DCMI La Croix se trouve à cheval sur deux cantons, sur la commune de Montéglane, Fribourg et Chavannes-sur-Moudon, Vaud. Cette décharge a été ouverte il y a un peu plus de 10 ans par une personne qui à l'origine est fils d'agriculteur et qui a trouvé ce qu'on peut appeler un excellent filon. C'est de mettre des déchets de chantier ici, en pleine nature, d'enlever un peu de terre végétale et de remplir avec des déchets de chantier. Alors il a obtenu une autorisation pour 150 000 m3 de déchets de chantier. Très très vite, il a atteint ce volume. Malgré ça, il a continué à en entasser. Et il a été bloqué à 240 000 m3. Alors après quoi, il a demandé une extension. Il a fini par obtenir cette autorisation pour aller jusqu'à 800 000 m3. Il a atteint ces 800 000 m3 début 2013. Depuis, je ne comprends pas pourquoi il y a toujours des camions qui viennent par là. J'ai commencé à m'intéresser, à venir me promener là autour et à mon grand étonnement, j'ai constaté qu'il y avait des déchets électroniques, un ordinateur écrasé, des ballons, du Sagex, beaucoup de bidons vides en plastique, des solvants, des bidons de peinture, des pneus, des quantités énormes. Ça recouvrait tout, ça s'envolait dans les champs aux alentours et là j'ai commencé à m'intéresser, est-ce que c'est légal de mettre des déchets comme ça en pleine nature? Donc on parle de 800 000 m3. Il est évident que dans des petits villages comme ça, on n'a pas les compétences pour surveiller ces décharges. Il y a déjà d'autres décharges dans la commune. Notre hantise, c'est de savoir le jour où il faudra les assainir, combien ça va coûter. Il y en a dans toute la Suisse. On continue de nos jours à mettre n'importe quoi dans des décharges. Et je ne comprends absolument pas pourquoi et comment ça se fait qu'on laisse cet exploitant continuer ici,
alors qu'il a commis un nombre incroyable d'infractions. Et nos véhicules, que deviennent-ils ? La plus grosse partie de nos tonnages ici sur Écublon provient bien évidemment de notre broyeur automobile. C'est une très grosse machine, très lourde, qui traite beaucoup de ferraille par mois, par année. Les voitures qu'on achète pour les broyer, on les dépollue d'abord, donc on enlève la batterie, on enlève les pare-chocs, le plastique est revalorisable. On enlève les roues, les pneus évidemment avec, on sépare les pneus des roues, on enlève les fluides, essence et huile, et le catalyseur. Et tout le reste du véhicule est broyé dans ce broyeur, dans ce déchiqueteur. La machine, elle fait le tri elle-même, donc elle a, d'un côté on a la ferraille qui sort, et de l'autre côté il y a les moteurs à courant Foucault qui séparent les métaux et l'inox de la ferraille, et les fameux RBA, donc les résidus de broyage automobile, où on trouve bien sûr les mousses, les cuirs, le verre, les plastiques. Nous traitons par mois la quantité impressionnante de 3000 véhicules. Quant aux déchets spéciaux, pour les cantons romands, c'est la société Cridec à Éclépan qui est chargée de les récupérer et de les trier sur ces trois sites. Il existe une liste des déchets considérés comme déchets spéciaux. Ces déchets ne peuvent pas être éliminés par le biais des ordures ménagères pour la plupart d'entre eux. Donc Cridec bénéficie d'autorisations données par le canton. Ces autorisations sont données en fonction de nos équipements et de nos savoir-faire. Cridec récupère quasiment l'autorisation pour tous les déchets spéciaux. Si ce n'est aujourd'hui les déchets infectieux, pathologiques, les déchets explosifs, voire les déchets radioactifs. Parmi les déchets spéciaux qu'on peut récupérer, donc nos clients sont les industries, les collectivités publiques, ceux-ci peuvent être des hôpitaux, des laboratoires, nous avons tout un panel de déchets spéciaux. Cridec récupère dans ses installations environ 50 000 tonnes de déchets par an. Si on considère les déchets spéciaux, comme c'est large, nous pouvons parler d'huile minérale, de solvants halogénés, d'eau qui sont potentiellement souillées, d'hydrocarbures, de métaux ou d'autres choses, ça peut être des eaux de lavage, ça peut être des émulsions, des acides, ça peut être des bains, des chromes, ça peut être des cyanures, tout un panel de déchets spéciaux qui rentrent chez nous. Les déchets sont quasiment infinis, on peut, selon la liste, il y en a environ 5 à 600 sortes, mais c'est clair qu'un mélange d'un déchet avec un autre peut en créer un autre déchet. Même si certains déchets ne devraient pas exister chez nous, on retrouve toujours dans les bacs de déchetterie des déchets potentiellement très dangereux, comme même des cyanures qu'on peut retrouver et qu'on doit absolument ressortir du tri. Il suffit parfois de quelques molécules ou quelques fractions qui peuvent rentrer par exemple dans une usine d'incinération sans être triées, qui pourraient créer un mélange létal. Cridec est équipé d'un laboratoire analytique spécialisé dans la chimie. Dans notre laboratoire, ce sont deux ingénieurs chimistes qui travaillent d'élaborant. L'échantillonneur est clé dans le début de l'analyse puisque c'est lui qui va faire un prélèvement le plus représentatif de l'échantillon qui nous donnera ensuite, en fonction du déchet et de l'annonce qui a été faite sur le déchet, les analyses qui vont être faites dessus pour ensuite prendre l'orientation.
C'est un laboratoire très bien équipé. Nous utilisons différentes méthodes, dont la spectrométrie. Et en fonction des analyses, nous déterminons sa manière de traiter. Notre objectif est de garantir qu'ils prennent le bon chemin et surtout qu'on préserve l'environnement et qu'on respecte toutes les directives, que ce soit en matière d'eau, d'air ou de terre, bien entendu. Dans cette installation, nous allons traiter les boues de dépotoirs de route. Ce sont des boues qui proviennent du curage des canalisations en milieu urbain, au bord des routes et des autoroutes. Dans ces matériaux, nous allons trouver des bouteilles en PET, des canettes en aluminium, nous allons trouver des déchets de plastique, des mégots de cigarettes, enfin, toutes sortes de matières qui sont jetées par la population au bord des routes et qui se retrouvent dans les canalisations. Pour les solvants, il existe aujourd'hui deux solutions de valorisation. L'une est de les envoyer, par exemple, en cimenterie. Il faut savoir que les cimentiers sont des gros consommateurs d'énergie fossile. Et pour chauffer un four rotatif, il faut soit du pétcoke ou de l'huile lourde. Notre objectif, et aussi l'objectif des cimentiers, est bien sûr de réduire l'impact environnemental et l'émission de CO2. Nous acheminons, par exemple, en cimenterie, des solvants à fort poids calorifique qui ont la possibilité en fait, de substituer, par exemple, du pétcoke qui viendrait d'Afrique du Sud. Nous faisons un bilan environnemental, nous avons fait économiser 6000 tonnes de charbon à un cimentier voisin, et pour nous, c'est important de le faire. Je pense que les Suisses ont une éthique dans l'environnement. Je pense qu'ils sont soucieux du développement durable. Ils font attention aussi, peut-être pas assez à ce qu'ils achètent. Mais je le vois du fait que j'ai des enfants aussi, leur sensibilisation, leur attrait pour le recyclage. L'économie d'aujourd'hui, elle a influencé la consommation, la surconsommation. Mais si je prends aujourd'hui la situation en Suisse par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres pays, je pense qu'on est avant-gardiste, en tout cas dans le traitement des déchets, la sensibilisation des gens. Je pense qu'on doit par contre continuer à le faire. En Suisse, on sait, avec l'environnement, avec les déchets, se créer du travail nous-mêmes. Puis je pense qu'on a un exemple pour beaucoup d'autres pays. Moi, je pense qu'on fait partout faux en Suisse, on peut faire mieux. L'environnement, il faut le préserver. Si on veut améliorer à terme le tri, la meilleure solution serait d'appliquer une taxe à la base au niveau des emballages. Mais ce n'est pas simple aujourd'hui de par la diversité de provenance des produits, mais il est vrai qu'on voit aujourd'hui que la matière, quelle qu'elle soit, est emballée, sur-emballée et encore sur-protégée, remise sur palette avec des films qui recouvrent encore tous ces déchets. Et s'il fallait faire un effort, il devrait être fait au niveau de la grande distribution, des grands magasins. Alors c'est vrai que la grande distribution a mis en place, je dirais, un petit peu un leurre aujourd'hui en disant tiens, on reprend vos plastiques ou autres, ou certains plastiques en tout cas dans les corps creux et autres. Mais il faut savoir aujourd'hui qu'il n'y a pas de filière pour ce genre de plastique et que la plupart de ces matières finissent en incinération. Donc c'est vrai que ça, ces petites prestations, c'est comme si on donnait un petit cadeau au consommateur en lui disant bah, tiens, tu n'as pas besoin d'amener ces matières à la déchetterie. Mais en finalité, au niveau écologique et au niveau environnemental, on n'a strictement rien gagné. Donc je crois qu'il faudrait avoir des buts un petit peu plus nobles. Et puis c'est vrai que si on veut vraiment agir dans ce sens-là, c'est vraiment au niveau de la matière de départ, au niveau de l'importation des matières de l'étranger ou de la grande distribution qu'il faudrait faire un effort. On se fait terriblement manipuler en fait par les médias et la publicité parce que souvent on nous encourage au travers d'actions ou bien d'énormes panneaux publicitaires à acheter plein de choses dont au fond on n'a pas du tout besoin. On se dit qu'on va les acheter parce que c'est en action.
Alors que si on va se balader quelques minutes dans la nature, on se dit mais finalement toutes ces choses que j'ai achetées au magasin, j'en avais pas besoin. Il ne faut pas oublier qu'il y a des gestes tout simples qu'on peut faire pour justement éviter la surconsommation et l'accumulation des déchets. Si on casse certains objets, on peut aussi tout simplement essayer de les réparer. Il y a beaucoup de choses en fait qu'on pourrait acheter d'occasion ou tout simplement demander à des gens de nous prêter et qu'on n'a pas besoin d'acheter neuf et donc qui nous éviterait en fait de polluer plus. Je pense qu'aujourd'hui, si on est toujours face à de plus en plus de déchets quand on se balade autant dans la nature ou quand on est proche d'un lac, c'est surtout dû en fait à la surconsommation. Toutes les choses qu'on fait, on continue d'acheter, on ne se pose pas de questions parce qu'on se dit on a les moyens, alors qu'avant les gens ils n'avaient peut-être pas forcément autant de moyens pour acheter des choses. Aujourd'hui on a les moyens, on se dit mais je veux vivre ma vie, je veux en profiter. Alors on consomme, on met plein de choses à la poubelle ou alors des fois on les laisse traîner par terre. Et puis on se rend pas compte que bah, tout ça, finalement, ça se retrouve dans la nature. La planète idéale, pour moi, ça serait déjà une planète où on réduit à la source le déchet. Le problème, c'est pas seulement le traitement. Le gros problème, c'est au départ, c'est la production de beaucoup trop d'emballages jetables, de beaucoup trop de plastique. C'est ça le gros problème. Il faut retourner à ce qu'on faisait avant. On va au magasin, eh bien, on prend notre petit bocal et on remplit de la quantité qu'il nous faut, de céréales, de ci, de ça. Et on arrête d'acheter des produits suremballés pour réduire à la source le déchet, pour ne pas avoir à le faire après. Alors les gens ne se rendent pas compte qu'en fait ils peuvent faire eux-mêmes énormément dans le cadre privé et souvent ils se disent oui mais si moi je fais ça mais je suis seule à le faire, ça ne va pas changer grand chose. Mais si, chaque petit geste compte dans notre quotidien, quand on fait nos achats, refuser les sacs plastiques, refuser les produits suremballés, ne serait-ce que ça, c'est déjà des petits gestes importants, pas jeter dans les toilettes ses déchets. Donc les gens, ils ont beaucoup plus de pouvoir qu'ils ne le pensent. À cause de nos comportements irrespectueux envers la nature, les actions de nettoyage se poursuivent tout au long des saisons. La tâche est considérable et se répète année après année. On ramasse ici sur ces plages des quantités de plastique assez monumentales. Et c'est vrai qu'il est triste de constater que même si l'ère du plastique a révolutionné beaucoup nos vies, aujourd'hui, ben, c'est quand même la nature qui trinque, les animaux aussi, parce qu'ils en avalent, ça se retrouve entouré autour de leur cou, ils en meurent. Et puis ça, c'est pas une problématique locale, c'est une problématique mondiale. Il y a des questions à se poser, vraiment. Je me demande toujours pourquoi il y a aussi peu de monde qui viennent nous aider. C'est assez frustrant. Et je constate même dans mon entourage qu'il est très difficile de motiver les gens. Ils ont toujours mieux à faire. Ils ont toujours quelque chose le samedi, faire les courses, faire le ménage. C'est bien triste.
Il y a beaucoup de paroles, mais il y a peu d'actes, en fait. Les gens sont prêts à dire oui, l'environnement, c'est important, l'écologie, c'est important. Mais après, on voit que pour mobiliser les gens, après, faire un acte concret sur le terrain, on voit que finalement, ils ne se sentent pas tant concernés qu'ils le disent, quoi. Alors, il est vrai qu'on se pose souvent la question pourquoi les autorités ne s'impliquent pas plus, que ce soit au niveau communal ou au niveau cantonal. On voit que c'est très difficile d'obtenir des aides de leur part. Et ça, moi, j'avoue que c'est quelque chose que je ne comprends pas. Surtout ici, on est dans une réserve naturelle et que ce ne soit pas entretenu par l'État, je trouve ça pas normal. Je me suis aussi souvent demandé pourquoi, finalement, on ne pourrait pas solliciter des personnes qui sont au chômage, des personnes qui ont des peines de prison et qui doivent faire du travail d'intérêt général, ou alors pourquoi pas même des demandeurs d'asile qui finalement, je me dis, ces personnes, elles sont là, elles ont besoin aussi de se sentir utiles, et pourquoi pas leur proposer de venir nettoyer ces plages, entretenir tout au long de l'année, et leur donner un sens aussi. En plus, quand on voit cet endroit qui est vraiment magnifique, ce serait tout positif pour ces personnes aussi. Les opérations de ramassage, c'est une action qu'on organise chaque année dans plusieurs stations, hein, pas qu'ici à Verbier. On a une vingtaine de stations de ski qui participent à cette opération nationale, puisqu'il y a aussi des stations suisses alémaniques. Et puis ça fait la troisième année qu'on est présent ici à Verbier. Je suis membre de Summit Foundation depuis quelques années et je participe à des actions de bénévolat. Comme aujourd'hui, nous avons une journée de ramassage des déchets en montagne, nous sommes des dizaines de bénévoles à ramasser tous les déchets qui ont été accumulés pendant la saison d'hiver par les skieurs, les touristes, en dessous des télécabines, des télésièges. En hiver, on ne se rend pas très compte de tous ces déchets qui sont jetés, mais quand le printemps arrive et que la neige fond, on se rend compte que finalement, il y a énormément de choses. Ce qui est étonnant, c'est que les plus petits déchets sont parfois les plus importants. Les gens jettent leurs mégots de cigarettes par terre, on a l'impression que c'est une petite chose, que c'est du papier, que ça va se dégrader. Mais il faut savoir qu'un mégot de cigarette, ça pollue 500 litres d'eau, c'est l'équivalent d'une baignoire. Et l'eau, elle est considérée comme impropre à la consommation. Alors ce genre d'opérations, on les organise évidemment pour nettoyer la montagne, si on peut dire nettoyer, mais aussi et surtout pour faire parler des déchets en montagne qui sont une vraie problématique, notamment pour la pollution de l'eau, du sol, sur la faune, la flore. Donc sensibiliser le grand public à ces problématiques-là. Je m'appelle Émilie, j'ai 8 ans et puis je suis venue ici parce que je trouve qu'on pollue beaucoup trop la planète et je trouvais que c'était sympa d'être ici parce qu'on peut ramasser plein de déchets, parce qu'on trouve des tonnes de choses, on trouve des cartons de biscuits, des paquets de chips, des canettes et aussi beaucoup beaucoup de cigarettes. Je déteste qu'on jette des choses par terre. Et chaque fois que je vois quelqu'un jeter des choses, je vais les ramasser. Et ensuite, je vais leur dire que c'est vraiment pas bien et qu'un jour, la Terre va réagir s'ils continuent comme ça. C'est hyper important que chaque déchet, il n'y a pas de petits déchets hein, dans l'environnement, en nature. Chaque chose qu'on peut ramasser, c'est vraiment un bienfait pour l'environnement. J'espère que les gens vont changer parce que c'est vraiment dégoûtant ce qu'ils font et si ça continue comme ça va mal finir.